Le débat national sur la transition énergétique s'engage comme s'il ne s'était rien passé à Fukushima. On doit y débattre de tout, sauf du nucléaire. Le nucléaire a du mal à s'accommoder de la démocratie. Les militants de la coordination antinucléaire de la région nantaise appellent à participer massivement à la grande chaîne humaine qui se déroulera à Paris le samedi 9 mars pour demander l'arrêt du nucléaire civil et militaire. De l'industrie nucléaire est aussi locale. Nous avons maintenant la preuve que des recherches sur le nucléaire seront discrètement menées à l'IRT Jules Verne, Technocampus Océan à Bouguenay, dont l'infrastructure est financée en partie par l'État et les collectivités locales, Nantes Métropole, Région, Département, Carén, c'est-à-dire par nos impôts. Il est quasiment certain que les recherches sur FlexBlue, un nouveau type de centrale nucléaire sous-marine, en font partie. Mais ce qui est affiché, c'est uniquement de la recherche sur les énergies marines renouvelables. Les citoyens sont trompés, et la plupart des élus aussi. Les militants de la coordination antinucléaire de la région nantaise appellent à participer massivement à la grande chaîne humaine qui se déroulera à Paris le samedi 9 mars pour demander l'arrêt du nucléaire civil et militaire. Push, 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 push